les amis, c'est Christian et bienvenue sur Soleil Affranchi. Je suivais récemment une personne qui m'a inspiré, ok? Et je n'y avais jamais pensé. Une stratégie pour être millionnaire en crypto-monnaie. Ce que je vais essayer d'appliquer pendant le prochain bull run dans certains de mes portfolios. Et ce qui est possible, très possible. Le monsieur dit, si vous avez 10 000 dollars, 10 000 francs, 10 000 euros, 10 000 francs CFA, 10 000 euros, quelle que soit la devise, ok? Et si vous multipliez, ça veut dire par 2, 10 000, vous le multipliez par 2, 7 fois, vous avez 1 200 000 quelque chose de dollars, 1 200 000 CFA, quelle que soit la devise. Je n'y avais jamais pensé. Je m'explique. Si vous avez par exemple 10 000 francs CFA et que pendant le bull run, ce qui est faisable, pendant le bull run, il y a des crypto-monnaies qui font 2x, 3x, 4x tous les jours. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Vous avez 10 000 francs CFA, vous avez 10 000 dollars, vous trouvez un projet. Je dis, c'est ça, c'est pour les traders, les gens qui ont le temps dans le marché là, ok? Vous trouvez ces crypto-monnaies là qui va faire 2x, ça existe pendant le bull run, les gars. Ça vous fait 2x, ça vous fait 20 000 dollars ou 20 000 francs CFA, dépendamment de la devise. Et après, vous trouvez un autre projet qui est en train de pam, selon les narratifs, vous faites un autre 2x, ça vous fait 40 000. Et après, vous trouvez un autre projet, ça vous fait 80 000. Vous multipliez ça, vous faites comme ça 7 fois, vous êtes millionnaire. C'était génial. Je suis resté comme ça, je dis, mais je n'y avais jamais pensé. Et pendant le bull run, c'est faisable. Ok? Je voulais juste partager avec vous. Rien d'autre. Rien d'autre. Il faut y penser. Ok? Le bull run arrive l'année prochaine, les gars. J'ai pas de doute. Je peux me cramper. C'est une probabilité. Il est fort probable. Je peux me cramper. Mais ça arrive. Et si vous ratez, vous les cryptopreneurs, là, si vous ratez cette opportunité-là, je ne sais pas. Ok? C'est à vous de jouer. Construisez la discipline. La discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, c'est que vous avez un plan. Ok? Qu'est-ce que soient les difficultés que vous expérimentez pour pouvoir mettre en application votre plan? Vous êtes discipliné pour que vous puissiez arriver par rapport à ce que le plan dit. C'est ça la discipline. Il ne faut pas être aujourd'hui dans un narratif, vous changez, vous partez dans un autre. Parce qu'il y a un youtubeur qui a dit telle chose. Non. Quand vous êtes discipliné, ça marche. Ouais, la discipline. La discipline s'acquiert sur la conviction. Ça veut dire que, quelles que soient les turlupitudes du marché, là, les difficultés, vous avez votre objectif en tête. Vous dites que je vais atteindre cet objectif. C'est ça la discipline. Ce qui est difficile, c'est que beaucoup de gens n'ont pas. C'est pour ça qu'ils sont toujours pauvres. Ok? C'est pour ça qu'ils sont toujours pauvres. Faites qu'ils disciplinent, les gars. Ciao.